livre avec ce haricot, mm-hmm. qui est classé parmi les 50 aliments du futur de la planète. Donc, on est vraiment dans le thème, parce que c'est une source de protéines végétales importante. On est sur 22% de protéines dans tous les produits. Et parce que, oui. Et parce que c'est également une culture qui résiste à la sécheresse, donc qui est adaptée aux problématiques, aux enjeux du changement climatique, et qui également nourrit les sols, parce que les légumineuses, en fait, ça c'est une catégorie d'aliments qu'on appelle les légumineuses. Ils ont la propriété de fixer l'azote atmosphérique dans les sols, et donc ça permet de limiter l'apport d'engrais azotés. Lorsqu'on a commencé à fabriquer le produit, on a commencé par faire tester par nos agriculteurs au Cameroun, sur la qualité de ce qu'on pouvait faire avec le cacao du Cameroun. Moi, on travaille spécifiquement les produits du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a une terre qui est unique, on a une zone vraiment riche, en eau cristalline, les fèves sont exceptionnelles, on est sur une qualité de la coloration du chocolat que vous pouvez voir ici. Elle est complètement différente par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. On aura une excellence en bouche qui est unique. Non seulement le tannin, l'astringence, on va faire du chocolat unique, et va se retrouver sur les plus grandes tables du monde. Et c'est ça qui nous a propulsé aussi loin. J'ai été amenée par ma voisine, justement, qui m'a parlé de ce salon, qui est l'Inuda Kouchou. Et du coup, on a été intrigués, enfin, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait découvrir au salon. Et c'est pour ça que je suis venue, en fait. Et ce que j'ai découvert, c'est notamment la farine de Nibé, qui a l'air très intéressante, vu qu'elle a des très bonnes vertus, et que je vais dorénavant, en fait, prendre pour ma cuisine. J'ai découvert, en fait, aussi, par la même occasion, le fruit à pain, qui a un très bon goût, et qui, je pense, je n'ai pas encore regardé un peu les vertus, mais je pense qu'il doit être très bon pour la santé. Au tout début, je n'avais pas vraiment des attentes. Je m'étais juste dit, bon, je connais quelqu'un qui fait un événement, je vais l'assister, je vais l'encourager, donc je viens voir. L'agriculture, c'est pas mon domaine du tout, donc, mais bon, pourquoi pas, c'est ce qui est en vogue maintenant. Tout le monde parle d'agriculture, donc pour ma culture générale, pourquoi pas. Et je suis très contente d'être venue parce que déjà, tout ce qu'il y a eu comme intervention, table ronde et tout, c'était très intéressant. Et même de voir tout ce qui est fait, c'est très inspirant. Après, pour quelqu'un qui a vraiment envie d'entreprendre et qui se dit, qui cherche le domaine dans lequel entreprendre, c'était très inspirant. Et donc, la vision de ce qu'on fait, c'est tout ce qui est développement. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté à faire des soirées de défilés de mode en mangeant africain. Vous avez fait un autre pas, c'est que vous avez ouvert une première boutique. C'était en quelle année? C'était où? Comment ça s'est passé? Donc, merci. En faisant ça, un jour, il y a tel des hommes qui nous a invités pour les 25 ans anniversaire. Donc, on a fait le staff africain. Et puis on a fait un peu de foufou. Et là, on a vu qu'il y avait une longue queue que les gens ils veulent manger africaine. Et surtout les foufous qu'on pile. Donc, après cet événement, tout le monde vient. Vous avez un restaurant, vous avez quelque chose où vous êtes où, etc. Et il nous a parlé des Palio Festival.